Donc, sauf erreur, 1400. Deuxième manche de. Enfin, deuxième série. Je pense que c'est bon, c'est parti. Six pilotes engagés. Donc par rapport à la manche de qualif de ce matin, Sylvain Boucher, le numéro 205, le favori. Seconde place, c'était Yannick Perron, le 216. On attend de voir un peu les résultats de donc sur ce premier tour au passage du podium. Le 216, Yannick Perron, en pole position en attaque, suivi du favori Sylvain Boucher, le 205. Troisième place, non des moindres également, le 41 de Tony Lehir. Et dans ses roues, le 104 de Yann Lebert. Et oui, je ne me suis pas trompé. Le 104 Yann Lebert, comble de l'ironie, roulant 104 ZS. Passage au niveau du podium. Yannick Perron. Sylvain Boucher. Tony Lehir avec un bon duel avec le 823 de Corentin Goncalves. Donc ça va être chaud pour la troisième place. Laissant donc le numéro 104 maintenant à la cinquième place de ce classement sur le second tour. Waouh, 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 c'est chaud pour la troisième place avec l'avantage pour Corentin Goncalves qui passe. Yannick Perron. Sylvain Boucher. Corentin Goncalves, Tony Lehir, Yann Lebert, et il me manque voilà le 22, Laurent Leliou. Les pilotes sont en train de boucler leur quatrième tour. Yannick Perron, Sylvain Boucher. Ah, c'est encore chaud pour la troisième place. Corentin Goncalves, le 41 de Tony Lehir et le 104 de Yann Lebert. 1, 2, 3, 4, 5e et dernier tour. Ah oui, j'avais oublié le 22 de Laurent Leliou. Attention, passage du drapeau. Go, 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 c'est parti.